Au lendemain de la sanglante prise d'otage à l'épicerie cachère de la Porte de Vincennes, le Premier ministre israélien s'est adressé aux Juifs de France. Dans une allocution télévisée samedi soir, Benjamin Netanyahou a expliqué qu'Israël était leur foyer, promettant d'accueillir tous ceux qui le souhaiteraient. En réaction à ces propos, le Premier ministre français s'est rendu devant l'hyper-cachère où quatre otages ont perdu la vie vendredi, aux côtés des membres de la communauté juive présents sur place pour rendre hommage aux victimes. Manuel Valls a tenu à rassurer, expliquant que la France sans les Juifs de France n'était plus la France. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur d'être journalistes. N'ayons pas peur d'être policiers. N'ayons pas peur d'être juifs. N'ayons pas peur d'être citoyens. Nous sommes tous aujourd'hui, Charlie. Nous sommes tous des policiers. Nous sommes tous des juifs. Et demain, le cri qui devrait résonner est bien celui-ci. Nous sommes tous des juifs de France. Benjamin Netanyahou assiste ce dimanche à la marche républicaine prévue en hommage aux victimes des attentats, tout comme le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et d'autres dirigeants étrangers. Les attaques ont fait 17 morts en 3 jours dans la capitale et ses alentours.